Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Nous sommes jeudi matin, comme le temps file vite cette semaine. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Ne nous en parlez pas. Oh, bonjour Monsieur Calvi. En cette période de fête, notre ami Philippe Bouvard a décidé d'offrir un numéro spécial de son émission dominicale. Allô, ici Bouvard. C'est à vous, Philippe. Merci, ma petite fille. Non, Philippe, moi c'est Jade. Je ne suis plus une petite fille, vous savez. Pétronille, c'est un drôle de prénom pour une gamine. Hein. Mais pourquoi pas. Allez, c'est parti. Envoyez le crin-crin. Aujourd'hui, pour cette émission de Noël, Philippe dialogue avec un invité prestigieux, le président Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour, monsieur le président. Posez votre question à Philippe. Allô ? Oui ? Allô, Bouvard ? Allô, Bouvard ? Allô, Bouvard ? Oui, allez-y, on vous entend. Allô, oui. Bouvard ? Allô, monsieur le Bouvard ? Je vous appelle parce que ça sent le sapin. Ils veulent nous sucrer tous les avantages de retraités de l'Élysée. Et de quoi voulez-vous parler, Valéry Giscard d'Estaing ? De mes bureaux du boulevard Saint-Germain. Ah. Mon abonnement à Détective et à Télépoche. Oui. Mon chauffage d'appoint. Mes cuirs à la bourboule. Hein. Pourquoi pas mon accordéon pendant qu'ils y sont ? Ah, surtout pas, monsieur le président. Tout le monde sait qu'à l'accordéon, vous n'avez pas des doigts formidables. C'est exact, mon cher Philippe, mais j'ai des noix formidables. C'est l'heure de notre surprise de fin d'année, une chanson de Noël spécialement écrite et interprétée par Valéry Giscard d'Estaing pour les auditeurs d'Allô, ici Bouvard. C'est sale. Ah. Ouais, passer, c'est faire sur mon temps des retraites. Oui. Et même si c'est Noël, on va leur faire leur fête. À Macron, à Macron, le drapeau, roi des impôts. À Macron, roi des couillons. Macron, t'es foutu. Les présidents sont dans la rue, sont dans la rue. Et là, dans le Macron. Tiens, bonjour Benoît Hamon. A Star is Born. Pardon ? A Star is Born. Oui. Une star aînée, si vous préférez. Oui, merci. Si vous parlez du bébé du prince Harry et de Meghan Markle, non, c'est prévu dans 3 mois. Non, je ne parlais pas du Royal Baby et j'insiste, A Star is Born. Oui, je vois. Vous voulez parler de Tonya, l'oursonne polaire née aux eaux de Berlin qui attire toutes les caméras, peut-être ? Non, je ne veux pas parler de l'oursonne polaire, je veux parler du nouveau leader de la gauche française qui caracole en tête de tous les sondages de popularité. Ah ? Mais c'est qui ? Ben c'est Bibi. La chanteuse Bibi ? Tout doucement, fermée pour cause de sentiments différents ? Mais non, c'est Bibi, c'est moi quoi. C'est vous quoi, quoi ? Ben c'est moi la personnalité la plus populaire à gauche. Voilà pourquoi j'ai décidé de me présenter aux élections européennes. Alors attendez, je cherche dans mon dossier politique. Ah voilà, les intentions de vote pour vous et votre parti aux européennes, 3,5%. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûre. Ah, c'est pas beaucoup. Non. Ah bah non. Mais vous êtes un point du Parti Socialiste d'Edgar Faure. Vous voulez dire Olivier Faure ? Oui, c'est ça. Allez, au revoir Marcel Hamon. Non, moi c'est Benoît Hamon. Ah oui. Dominique Strauss-Kahn a fait son retour sur la scène médiatique en lançant un club de réflexion pour penser l'avenir. Bonjour Monsieur Strauss-Kahn. Bonjour Michel. Tut-tut-tut-tut, attention. Est-il de faire tut-tut-tut ? Oui. Le Déescope, c'est des sexuels. Le maniaque du Sofitel. L'érotomane du FMI. Oui. C'est terminé. Ah. Finished. Mm. Finished over. Mm. Tout ça est derrière moi. Si je reviens dans la lumière, c'est uniquement pour parler politrique. Non, vous voulez dire politique, sûrement. Pardon, ma langue alléchée. Ma main fourchée. Oui. Mais laissez-moi vous bifler. Vous briefer. Oui, alors allez-y, briefez-moi. Si j'ai créé ce club... C'est pour peser dans les partouzes. Les partouzes. Ah, sorry. Je voulais dire les débats publics. Oui, c'est presque pareil, les débats publics. Oui, voilà. That's it. Les débats publics. Vous faites quand même beaucoup de lapsus pour quelqu'un qui ne pense plus à la bagatelle, hein ? Soyez indulgente, Bijède. Je sors de 7 ans de silence. Mais je vous le promets, si je reviens, c'est uniquement pour régler les problèmes de la France. Mais quel genre de problème ? Les gilets jaunes.
ou les classiques, pardon, les fichiers S. Bref, les problèmes, rien que le problème, Nafissa tout. Pardon, et puis c'est tout. Oui. Lambert Wilson a prêté samedi soir son élégante voix de récitant à un concert hommage à Bernstein. Trois autres suivront, dont Pierre et le Loup de Prokofiev, au mois de juin prochain. Bonjour Lambert Wilson. Call me Lambert. Ah, bonjour Lambert. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette version de Pierre et le Loup ? Allonge-toi, petit Jade, ferme les yeux, close your eyes. Je vais te raconter l'histoire de Pierre et le Loup. I tell you the story of Peter and the Wolf. Oui. Ich erzähle die Geschichte von Peter und der große Loup. Oui. Je te raconte l'histoire de Pierre Mohamed et le Fennec Nardinamo. Alors ça, c'est gentil, mais je la connais déjà. Hein. Chut, laisse-toi faire. Oh, oh. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. Mm-hmm. Tout est calme ici, gazouille-t-il gaiement. Everything is quiet, gazouille the bird. Tutto va bene, dit il piccolo moine. Spaghetti al dente. Ti ferme ta gueule, espèce di connasse de piaf. Bon, c'est très joli, mais je vous jure qu'on n'a pas le temps de faire tout le compte là ce matin, hein, Lambert. Attention. Mm. Be careful, little Jane. Cuidado, signorita Amponciuriani. Oui. Un gros loup gris sort de la forêt. Un grosso l'uovo grisato sotto dalla fioretto. Lì Fennec, qui va manger les Pierre Mohamed dal couscous Nardin Bebek. Donc vous direz Pierre et le loup dans toutes les langues, si j'ai bien compris. Oui, car Pierre et la louve est universel. Peter and the wolf with nations is universal. Mais attention Lambert, ce n'est pas Pierre et la louve, c'est Pierre et le loup. Non, nah, nada, car le loup est une femme. Ah, voilà. The wolf is a woman. Le Fennec est une espèce de connasse. Voilà pourquoi c'est Fanny Ardant qui jouera le loup. It's Fanny Ardant who plays wolf. Pourquoi Fanny Ardant jouera-t-elle le loup? Because the wolf have une grande bouche et grandes dents. Et c'est pour mieux te manger, mon enfant. Oui. Pour manger le piccolo al vongole. J'y vois becter avec la Vexa. Mais vous vous trompez de compte, Lambert, c'est plus Pierre et le loup, là c'est le petit chaperon rouge. J'entends le loup, le renard et la belette. How is the fox singing? Ok, bon, ben, on se donne rendez-vous au mois de juin pour Pierre et le loup. Hein. T'étais où? D'accord. Where are you, the great méchant loup? La 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 la